rappelle, il y avait un match, on jouait contre Biola, c'était notre équipe, on va dire, plus grande rivalité. Et je me rappelle, ils avaient un défenseur qui était vraiment connu pour être, voilà, vraiment, il charclait de partout, tu vois, il ruinait les gars, mais aussi, ce qu'il faisait, il parlait beaucoup, tu vois, il insultait les joueurs, tout ça. Et je me rappelle un moment spécifique où ce gars, non seulement il balaye Cody, mais après il l'insulte, tu vois, il insulte. Et Cody, j'ai vu vraiment ce que j'ai vu toute la saison, en fait, s'exprimer encore plus, et ça m'a vraiment scotché. Et en fait, ce qu'il a fait quand le gars l'a balayé, il a insulté, en fait, il a même pas, tu vois, capté. Il a en fait continué, il s'est levé, et il y avait coup franc, il s'est mis en place, tu vois, pour être en coup franc. Alors, ça a l'air pas grand, mais en fait, ce que j'ai vu, c'est vraiment quelqu'un qui jouait pas pour lui, tu vois. En fait, il mettait son orgueil, son propre identité en tant que peut-être homme, tout ça, à part pour le bien de l'équipe et en fait, pour Dieu. En fait, tu vois, ça se voyait, tu vois. Dieu nous dit, aime Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et aussi aime les autres comme toi-même, aime ton prochain comme toi-même. Et ça, je ressentais beaucoup chez lui. Vraiment, il allait mettre les objectifs de l'équipe beaucoup plus haut que les siens, tu vois. Il avait cette humilité, tu vois, une humilité vraiment incroyable. J'ai que joué une saison avec lui, mais j'ai vraiment vu, voilà, comment il était. Et c'était vraiment un modèle pour moi. J'ai dit, waouh, on peut vraiment, tu vois, aimer Dieu, aimer les autres en jouant au foot, tu vois. Tu peux vraiment glorifier, tu veux vraiment, tu vois, montrer ta relation envers Dieu à travers le foot, tu vois. On croit que le foot, peut-être c'est un truc que Dieu regarde pas, etc. Mais il y a un passage où la Bible dit, dans tout ce que tu fais, que vous mangez ou que vous buviez, fais tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire, dans toutes les choses les plus basiques du monde, tu peux vraiment aimer Dieu et voilà, rendre grâce à lui que c'est lui qui t'a donné tes dons, tu vois, ton corps, ton physique, tout, c'est lui qui t'a donné. En fait, toi, tu t'appartiens pas, tu vois, t'appartiens à lui. Et en fait, ça change complètement comment tu joues.